Et combien de temps pour écrire un livre, par exemple? En général, autour d'un mois. Les Actuvores, animés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 18h30 à 20h sur VL. Théo, pour lister toi ton parcours et tes œuvres, à 24 ans, tu as été aujourd'hui un auteur prolifique avec plus d'une quarantaine d'ouvrages. Pardon, mais j'ai insisté parce que c'est quand même incroyable. comme Love in Paris, Au bout de nos rêves, Match Love, je le prononce bien, merci. Vampire Dynasty et aujourd'hui à Venetia. J'ai cru que ça frappait en régie, tu me fais des coups. Je me suis dit, ça y est, ça sonne en régie, il n'y a plus de respect, quoi. Ou encore à Venetia, l'Académie des Anges en 2022, donc aujourd'hui. Mais en janvier, ouais. Comment t'écris? Quel est ton secret? C'est-à-dire comment tu fais, quoi? Stylo à papier, hein. C'est plutôt incroyable à ton âge d'avoir sorti autant de livres. Avoir ça, c'est autant vrai. D'imagination, en fait. Après, quand on fait que ça, moi je pense de la journée, c'est pas non plus le truc, après, le truc le plus compliqué, je pense. Vous trouvez que c'est compliqué, Morgan, d'écrire un livre? C'est compliqué pour toi? Non, le plus compliqué, ça doit être d'être. Non, mais c'est l'imagination. Non, je pense que c'est de trouver les idées, trouver. C'est ça le plus dur, je pense, là-dedans. Ouais. Le processus peut-être de création, comment tu fais? Quel est ton processus? Moi, je suis admiratif de ça. Je veux juste dire un petit mot quand même sur Théo, parce que Théo est vraiment quelqu'un de très très modeste. Et c'est ce que j'aime chez lui. Il se rend pas compte du parcours qu'il a, en fait, parce qu'effectivement il a 23 ans, c'est ça? 24 depuis peu, depuis décembre. Et il a la chance de collaborer avec plusieurs maisons d'édition, et surtout que ses livres, enfin je sais pas si vous avez déjà regardé les commentaires, etc. Ils cartonnent. Vraiment, ils se vendent à des quand c'est vrai, quand t'as des personnalités qui font 700 ventes, pas Théo, il fait bien plus que ça. Il y en a notamment un qui s'est vendu à 15 000, je crois. Paris. Voilà. Mais c'est ce que disait tout à l'heure Morgane, il faut quand même être très créatif. Quel est ton process de création en quelques mots? En général, plutôt, j'ai une idée, quelque chose, un flash, quoi, et puis je développe une scène autour. Je sais pas trop comment le décrire précisément, en fait. C'est un processus qui se fait assez naturellement. J'aime bien aussi travailler avec un tableau blanc parfois, j'ai un petit carnet. Des fois, je change de méthode, en fait, donc c'est très... Okay. Et combien de temps pour écrire un livre, par exemple? En général, autour d'un mois. Waouh, voilà. Voilà. C'est 30 jours, en plus. C'est 30 jours. Et tu te rends compte quand même du succès ou pas du tout? Je sais qu'il y en a des fois qui se rendent compte. Je suis très content de ça, mais c'est vrai qu'après, c'est devenu... C'est son métier, quoi. Ah ouais, waouh.